sportive passée a fait des débuts très médiatisés en combats ultimes. Athlète déjà très populaire au hockey professionnel, Bossé s'est joint à l'organisation TKO avec tambour et trompette. Après deux victoires consécutives par KO en moins de 3 minutes, les amateurs de combats ultimes tenaient à voir Bossé affronter un adversaire de calibre majeur. Athlète fier et orgueilleux, Bossé n'a pas hésité une seule seconde à demander à l'organisation TKO de mettre devant lui le meilleur adversaire disponible. Possédant de la dynamite dans les deux mains, De Bosse est aussi un jeune homme qui apprend très rapidement et qui adore les rudiments du combat au sol. Il ne fait cependant pas de cachette. C'est debout qu'il veut que ça se passe afin d'ajouter un troisième KO consécutif à sa fiche. Après seulement 10 mois d'entraînement, le redoutable cogneur de Saint-Jean fait maintenant face au plus grand défi de sa carrière, alors qu'il retrouve sur son chemin l'ancien champion du TKO, Icho Larenas. Préparez-vous à une véritable guerre entre deux mastodontes qui n'iront pas par quatre chemins lorsque la sirène sonnera ce soir. Ça fait longtemps que j'attends d'affronter un gars là-dedans, qui est un ancien champion. Que ce soit c'est la chance de montrer à mes fans que je me sens bien fort et que je suis un peu plus de ça peut aller à un peu qui m'attend à faire courant avec les choses. C'est un gars qui n'a jamais été mis d'eau. Fait que on s'en fait fort, j'ai changé un peu, je m'entraîne à ça avec Yannick Dolon, j'améliorerai mon stand-up, mon sol et bien tout ça. J'aimerais ça que ça soit qu'il fasse un peu une ligne qu'il a faite avec ses esquilles. S'il reste debout avec moi, on va faire un peu un avantage à moi parce que je vais pouvoir utiliser ma force de frappe. Je sais que il est dangereux quand il prend le full bump. Fait que évidemment moi ça va tout le temps le plus possible de rester au centre de la cage et de parler au sol avec lui. C'est sûr, c'est vrai que ça va se mettre par le chaos. Il va exploser, agressif, c'est parfait comme attitude. Je me suis entraîné fort avec Victor Bandeski pendant au moins 2-3 mois avant de savoir que j'allais me battre contre lui. Mais après ça, la stratégie, je sais que c'est un joueur de hockey, c'est un striker. Il a boxé aussi, fait qu'il ne voudra jamais l'amener au sol. Il a même dit lui aussi qu'il aimerait ça se battre debout avec moi. Fait que je me suis beaucoup entraîné pour ce combat-là avec Steve Bossé, je sais que c'est un striker qui va vouloir me donner des wild punch ou tout ça, c'est sa main droite. Ça a l'air très fort. Steve Bossé, il pense qu'il va finir le combat rapidement comme tous ses combats. Mais il n'a pas l'air qui m'a couché qu'ils sont pas venus de l'autre. It's time for the big one! Showtime! Tout d'abord dans le point bleu! Portant la couleur blanche, il mesure 235 points civils. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red trunks and weighing in at 235.6 pounds. Il est toujours invaincu. Chez les professionnels, avec une fiche de 2 victoires, tout obtenu par KO en 2 combats. He is still undefeated in mixed martial arts with a professional record of 2 wins. De Saint-Jean sur le Chineur, comme Saint-Jean Québec, de retour ce soir, plus complet que jamais, introduce De Bosse, Steve Bosse. Son adversaire dans le point rouge, portant la couleur de camouflage et pesant 231 livres, a cast away, coming out of the red corner, wearing camel trunks and weighing in at 231 pounds. Une fiche professionnelle de 3 victoires, tout obtenu par KO en 6 combats. His professional record shows 3 wins, all by way of knockout in 6 bouts. From Laval, Québec, l'ancien champion du TKO chez les poids lourds. Here he is, the former TKO heavyweight champion. Make some noise for Icho Et c'est parti.
Boxer, boxer. Les grandes épaules, ils font peur, ils font peur.